Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur, notre Dieu, soit avec vous. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui, comme promis, afin de continuer notre programme, de poursuivre notre programme d'enseignement. Vous êtes là nombreux, nous saluons Maman Gertrude, Maman Wiva, Papa Jacob, Denis Maswaku, Alexandre Piero Moulenda, Maman Anikas, Danin Djibou, Shalom, Michel Mukwamu. Nous sommes en attente du nouvel album. Nous l'attendons impatiemment. Michel Mukwamu, je crois que dans les jours à venir, tu seras avec nous dans notre worship session ici à Mécran un dimanche pour nous conduire dans l'adoration avec les et beau chant du nouvel album qui est très très attendu. Alors je vous encourage à partager la vidéo et venir la partager afin que les autres amis soient informés que nous sommes déjà en ligne, que nous avons commencé. Informer les amis, appeler, signaler par WhatsApp, signaler par Facebook, envoyer l'invitation dans le groupe afin qu'ils se joignent à nous. Ok, nous allons commencer notre programme d'aujourd'hui pour finir cette partie que nous avons commencé depuis quelques séances où nous sommes en train de parler de ces trois hommes de la Bible que Ézéchiel nous a dit, l'attitude. La Bible parle d'eux comme étant l'attitude que nous devons suivre pour résister pendant le temps de la fin. C'est leur attitude que nous devons posséder. C'est leur caractéristique que nous devons posséder. Nous avons parlé de Daniel, nous avons parlé de Noé, et aujourd'hui nous parlons de la troisième personne qui n'est rien, personne d'autre que Job. Job, je crois que le livre de Job, c'est un livre qui n'est pas vraiment aussi exploité dans les prédications, à cause de son caractère un peu particulier. C'est un livre vraiment parmi les livres le moins prêché. Nous saluons la présence de Maman Lina également. Les livres de Job, c'est parmi les livres le moins prêché. Souvent, on utilise juste le premier chapitre ou le deuxième chapitre, mais on n'exploite pas vraiment. Et je crois que nous aurons l'occasion, de la même manière que nous faisons l'étude du livre d'Apocalypse, nous allons étudier les livres de Job. Pourquoi est-ce que nous allons étudier les livres de Job? Parce que de 66 livres de la Bible que nous avons aujourd'hui, les livres de Job est les plus anciens. Malgré qu'on l'a placé parmi les livres poétiques, hein, c'est juste, normalement, les livres de Job devaient être avant Genèse. En termes, si on devait classer les livres selon l'ancienneté, pour les 66 livres. Mais comme la Bible est classée par thème, c'est comme ça que les livres de Job se retrouvent au milieu de livres poétiques, des livres tels que psaumes, proverbes, ainsi de suite. Alors nous allons prier pour dédier ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te prions de nous conduire avec sagesse et intelligence. Que cette parole édifie quelqu'un, que cette parole fortifie quelqu'un, oriente quelqu'un, libère quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen. Alors, partagez la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, aidez-nous à partager. Alors, j'ai parlé du livre de Job, qui est un livre dans lequel vous n'entendez pas parler des dieux comme étant le dieu d'un peuple. Mais quand vous lisez les livres de Job, on parle de Dieu comme étant les dieux d'un individu. C'est un individu qui parle de Dieu. Et Dieu ne se présente pas comme un dieu d'un peuple quelconque. Et même quand il parle à Satan, parce que dans ce livre, on montre une conversation de Satan et Dieu, il parle d'un individu, il ne parle pas d'un peuple. Donc, c'est là, et parmi les indications qui nous dit que le livre de Job, l'histoire de Job, a été écrit avant même que Abraham ne commence l'histoire. Donc, Job a vécu probablement après Noé et avant Abraham.
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore l'histoire de Dieu avec un peuple, et Dieu agissait avec les individus. C'est comme ça, Noé, Job a vécu avant Abraham. Et quand vous lisez, comme je le disais, les 66 livres, vous ne trouverez, vous allez remarquer que Job est le plus ancien. Parce que c'est le livre qui est écrit à la période où Dieu n'a pas encore commencé même son histoire avec Abraham. Et vous allez voir qu'en parcourant les livres de Job, on se rend compte de la connaissance de Dieu. On présente les différents intervenants, c'est-à-dire Job lui-même, on voit Job, on voit les amis de Job. Quand on parle de Dieu dans ces livres-là, vous trouvez une telle information de Dieu. Et Eliou, par exemple, qui parle de l'esprit de Dieu qui m'a créé. Ils sont en train de relever beaucoup d'éléments de Dieu. C'est Eliou qui parle encore, il dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend pas, ne prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Si vous lisez les livres de Job, vous allez voir beaucoup d'informations pertinentes sur la connaissance de Dieu et sur le principe de Dieu. Cela se trouve dans les livres de Job. Alors, on se pose la question. Par exemple, quand on voit, par exemple, Job 1, verset 5, la Bible déclare ceci. La Bible dit que Job offrait le sacrifice à Dieu pour ses enfants. Chaque fois que ses enfants organisaient des fêtes, après cela, Job organisait une fête, et disons un culte, il offrait des offrandes pour ses enfants. Il offrait des offrandes pour ses enfants. Alors on se pose la question, d'où est-ce que Job a appris ça? Et quand vous lisez ces livres, vous voyez toute la connaissance de Dieu qui est présentée, vous voyez tous les principes de Dieu qui sont présentés de manière systématique. On ne peut pas, l'homme ne peut pas avoir une telle connaissance systématique de Dieu si cela n'est pas enseigné de manière systématique. D'où nous comprenons que Job et ses contemporains avaient lu un livre qui parlait de Dieu. Et les seuls livres qui pouvaient parler de Dieu à l'époque de Job, c'est-à-dire après Noé, c'est seulement les livres d'Enoch. Excusez-moi, c'est seulement les livres d'Enoch. Parce que c'est Enoch qui a parlé, instruit ses enfants sur la voie de Dieu, qui a instruit les gens sur le sacrifice. Par exemple, je prends une portion du livre d'Enoch. Voici ce que Enoch a dit, par exemple, à ses enfants. Vous allez retrouver que les instructions que Enoch a écrites dans son livre, c'est ce que Job était en train d'appliquer. Écoutez ce que Enoch dit, je veux lire, ça se trouve au chapitre 1, disons au chapitre 2 du livre d'Enoch. Il dit ceci, « Voici mes enfants, je ne sais où je vais ni ce qui m'adviendra. » Ici, c'était Enoch qui parlait à ses enfants avant son départ, son premier départ au ciel. Il dit ceci, « Je ne sais où je vais, je ne sais où je vais et maintenant mes enfants, ne vous écartez pas du Seigneur et gardez ses jugements. Ne diminuez pas les sacrifices de votre salut. Et le Seigneur ne restreindra pas le travail de vos mains. Ne privez pas le Seigneur d'offrandes. Le Seigneur ne privera pas vos greniers de ses dons. Bénissez le Seigneur avec le premier-né des troupeaux et de vos bœufs, et vous serez les bénis du Seigneur à jamais. Ne vous écartez pas du Seigneur et n'adorez pas des dieux des néants. » Déjà, Enoch écrit pour que ses enfants ne tombent pas dans l'idolâtrie. Il dit que le Seigneur assure vos cœurs dans sa crainte. Il parle de la crainte du Seigneur. Il dit, « Et maintenant, mes enfants, que personne ne me cherche jusqu'à ce que le Seigneur me renvoie vers vous. » Vous allez trouver dans le livre d'Enoch, il parle des instructions claires en ce qui concerne les offrandes. Il dit, « Ne cessez pas d'offrir à Dieu. » Il dit, « Ne cessez pas de donner à Dieu. » Il parle de craindre le Seigneur, il parle de la crainte de Dieu, il parle de ne pas aller dans le voie des idoles. Ce qui fait que Job a vécu à la période juste après Noé. Et c'est comme ça qu'il connaissait la voie de Dieu partant des enseignements que Enoch avait donné à ses enfants. Et c'est comme ça que Job, après son expérience, après sa vie, il a écrit ces choses-là.
C'est le livre de Job n'est pas un livre qui a été écrit après dans une inspiration. Par exemple, le livre de Genèse, c'est Moïse qui l'écrit sous l'inspiration du Seigneur. C'est pourquoi vous ne trouvez pas beaucoup de détails. Il écrit par exemple le chapitre 6 sans beaucoup de détails. Mais celui qui a vécu la chose écrit avec beaucoup de détails. C'est comme ça qu'on parle même de la femme de Job, ce qu'il lui a dit en privé. Les choses que la femme de Job a dit à Job en privé, maudit le Seigneur. Personne d'autre ne pouvait être témoin de cela que si Job lui-même raconte l'histoire. Donc, le livre de Job a été écrit aussitôt que l'affaire s'est passée. C'est pourquoi il y a beaucoup de détails dans ce sens-là. Et Job a écrit, c'est sûrement les écrits d'Enoch que Job a appris, la crainte du Seigneur et le sacrifice. Et c'est sûrement aussi partant des écrits d'Enoch et de Job qu'Abraham a appris la voix du Seigneur. Vous savez, quand on lit l'histoire d'Abraham, c'est comme si Abraham n'avait jamais entendu parler de Dieu. C'est comme si Abraham ne connaissait pas les choses de Dieu. Non, Abraham est venu après Enoch, Abraham est venu après Job. Ce qui fait que Abraham avait en sa possession les écrits d'Enoch et Abraham avait en sa possession les écrits de Job. Et il connaissait le Seigneur. C'est pourquoi lorsque le Seigneur est apparu à Abraham, il lui a dit, va, je te montrerai où je vais t'envoyer, je te bénirai. Il savait effectivement que c'est Dieu-là accomplit sa parole. Il bénit ceux qui lui obéissent parce que ces choses-là étaient déjà écrites. Si Abraham a suivi la voie de Dieu avec autant de facilité et de fermeté, c'est parce qu'il avait les témoignages. Et c'est des écrits d'Enoch et de Job que Abraham avait appris au sujet de la dîme. C'est comme ça, lorsque Melchisédek est apparu à Abraham, Abraham lui a donné la dîme. Il connaissait ses promesses parce que dans les livres d'Enoch, Enoch parle de prémices, il parle de toute forme d'offrande. Donc, Abraham connaissait le Seigneur déjà avant et Abraham connaissait les voies de Dieu, mais il n'avait pas encore une connaissance personnelle, une rencontre personnelle avec ces dieux-là. Et la Bible commence l'histoire d'Abraham lorsqu'il a eu sa propre rencontre avec les dieux qu'il avait entendus. Les dieux qui avaient marché avec Enoch, les dieux qui avaient marché avec Job. C'est comme ça qu'Abraham a marché sur ces traces-là. Alors, plusieurs personnes traitent les livres de Job comme étant un livre mythique, comme si cette histoire n'a jamais existé, mais ils sont tout faux. Parce que nous trouvons dans la Bible, dans les 66 livres qui sont là, et je crois que si nous lisons les autres livres qui ne sont pas dans les 66 livres de la Bible, nous trouverons certainement l'histoire de Job relayée. Mais ici, dans les 66 livres, nous trouvons Job. Ézéchiel 14 parle de lui. Il les met dans la même catégorie que Daniel et Noé, les prenant aussi comme exemple des personnes qu'on doit imiter, des personnes à qui on doit ressembler durant ces temps de la fin. Durant ces temps de la fin, nous devons avoir le caractéristique de ces hommes. Et il prend Job comme l'un des exemples. Et si l'histoire de Job était un mythe, Ézéchiel n'allait pas dire cela. Une autre personne qui parle de Job, c'est Jacques. Dans Jacques 5, verset 11, Jacques 5, verset 11, la Bible dit ceci, « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » C'est à ce même titre que Jacques cite, à ce même titre où Jacques est en train de citer Job, c'est à ce même titre que Jude a cité Enoch. Donc ce qui rend valide les écrits de Jude, de Job, et rend valide les écrits d'Enoch. Et cela avait servi de base pour le peuple d'Israël. Ils ont appris beaucoup de principes. C'est comme ça, si vous lisez les lois de Moïse, tout le loi de Moïse repose quelque part dans les enseignements que Enoch avait donnés, notamment en suivant aussi l'exemple de ce que Job avait vécu avec ses contemporains. Maintenant,
Que pouvons-nous apprendre de la vie de Job pour l'appliquer dans nos vies pour ces temps de la fin? Qu'est-ce que nous devons apprendre? Voici ce que nous allons apprendre. Job chapitre 1, verset 1. La Bible déclare ce qui suit. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre, droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. On est en train de décrire Job. Et ce sont cette description, ces quatre choses dans la vie de Job dont nous avons besoin aujourd'hui pour faire face à l'épreuve, pour faire face à l'antichrist, pour faire face au temps de la tentation, pour faire face au temps de la tribulation. Quatre choses. Quelles sont ces quatre choses? 1. L'intégrité. 2. La droiture. 3. La crainte de Dieu. 4. C'est détourner du mal. Je répète. 1. L'intégrité. 2. La droiture. 3. La crainte de Dieu. 4. C'est détourner du mal. Si nous apprenons ces quatre choses et nous les appliquons dans nos vies, nous nous tiendrons, nous serons prêts pour la grande bataille qui est en train d'arriver. Nous serons prêts à tenir face devant les épreuves qui vont frapper le monde dans les jours à venir. Alors nous commençons avec le premier élément qui est l'intégrité. C'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est le fait d'être un. C'est le fait d'être un, c'est-à-dire être la même personne partout. C'est-à-dire avoir la même identité en privé et en public partout. C'est ça qu'on appelle intégrité. L'intégrité, c'est être un, être uni, être uniforme, être la même personne en privé, la même personne en public. La même personne à la maison, en famille, la même personne au travail, la même personne à l'école, la même personne à l'église. On doit te retrouver, tu es la même personne. On ne doit pas trouver une autre personne à la maison, une autre personne au travail, une autre personne à l'église, une autre personne au quartier, c'est-à-dire des identités différentes, des comportements différents. C'est une personne qui est comme ça n'est pas intègre. On parle de l'intégrité lorsque tu es la même personne. Si on te connaît comme étant un homme gentil, bon, calme, tu dois être gentil, bon, calme à la maison, gentil, bon, calme à l'église, gentil, bon, calme au travail, gentil, bon, calme au quartier, gentil, bon, calme partout. Tu ne peux pas être changeant comme un caméléon. Tu ne peux pas être à la maison, tu es méchant, à l'église, tu es gentil. À l'église, tu es serviable, à la maison, tu es méchant. Ou à la maison, tu es serviable, au travail, tu es je ne sais pas comment. Ça, ce n'est pas l'intégrité. L'intégrité, c'est le fait d'être un. Et Job était un homme intègre, c'est-à-dire la même personne qu'il était en privé. C'est cette même personne qui était en public. Il ne faut pas être celui qui est devant le gens. On te voit un homme correct, un homme qui est pur, un homme... Mais en privé, tu fais des choses honteuses. Des choses honteuses qu'on ne peut même pas, comment dire, citer en public. Tu ne peux pas faire des choses en cachette, mais en public, en privé, toi-même, tu sais que tu es un impudique. En privé, tu sais que tu es un voleur, un menteur. Mais devant les gens, tu apparais comme étant une personne correcte. Ça, ce n'est pas être intègre. Je prends un texte, Matthieu 12, 25 à 26. La Bible déclare ceci, Matthieu 12, 25 à 26. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Ça veut dire ceci. Si tu n'es pas un, tu es divisé, tu ne peux pas subsister. Tu ne peux pas tenir. Tu es destructible.
C'est-à-dire, le diable peut te détruire, l'ennemi peut te détruire, l'adversaire peut te détruire. Les choses dans ta vie ne peuvent pas être stables. L'unité est une chose fondamentale devant Dieu. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Une maison doit être unie. Un pays doit être uni. Une famille doit être unie. Un individu doit être uni. C'est-à-dire, doit être une personne. Doit être identique à lui-même. Partout, tu ne peux pas changer. Ici, on te connaît comme un homme sérieux, alors qu'ailleurs, tu es un véritable aventurier. L'intégrité. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de Job dont nous avons besoin aujourd'hui. Proverbe 20, verset 7. La Bible déclare ceci. Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Parce que l'intégrité assure même la progéniture, le bonheur de ta progéniture après toi. L'intégrité assure la stabilité et l'unité de ta famille après toi. Mais si tu ne marches pas dans l'intégrité, tu marches dans la duplicité. C'est ta génération, tu en payeras, mais aussi tes enfants après toi payeront cela. Dans ta famille, il y aura la division. Dans ta famille, les enfants peuvent aller n'importe quel chemin. Proverbe 28, verset 6. La Bible déclare, « Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité » que celui qui a de voies tortueuses et qui est riche. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a de voies tortueuses et qui est riche. Parce que celui qui est pauvre, quand il reste dans l'intégrité, il lègue à la génération physique, le futur plutôt, le bonheur et la stabilité. Même si durant sa vie, lui ne vit pas la richesse, ses enfants viendront et le Seigneur bénira sa progéniture. Mais l'homme qui n'est pas intègre, qui est tortueux, il peut vivre la richesse, mais sa richesse ne traversera pas des générations. Sa progéniture viendra et elle connaîtra beaucoup de problèmes et la pauvreté. Le témoignage de l'intégrité, ce n'est pas à attendre des hommes, car les hommes peuvent se tromper. Personne ne peut déterminer ce qui est dans ton cœur. Personne ne peut définir ce que tu as fait pendant que tu étais seul. Personne ne peut définir ce qui se passe dans ta tête quand tu es assis avec les hommes. C'est pourquoi nous ne pouvons te voir que, c'est une personne intègre, mais au fond, toi-même, tu as un autre témoignage. Donc, le témoignage de l'intégrité, c'est un témoignage d'abord qui commence par toi-même. Tu dois t'examiner toi-même. Tu ne dois pas t'appuyer sur ce que les gens disent de toi. Parce que tu peux présenter une certaine image partout, mais en privé en toi-même, tu es une autre personne. Tu vis une réalité que les autres ne savent pas. C'est pourquoi le premier témoignage de l'intégrité doit venir de toi-même. Écoutez ce que Job dit dans Job 31, verset 6. Que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Job était sûr, il savait que Dieu connaît mon intégrité parce que Dieu voit ce qui se passe dans le secret. Et si je ne suis pas intègre, Dieu le sait. Et Job était certain de son intégrité. Psaume 17, verset 2. Le psalmiste parle aussi de l'intégrité. Il dit ceci. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Est-ce que toi, tu me suis aujourd'hui? Est-ce que tu peux parler ainsi devant Dieu? Est-ce que Dieu connaît ton intégrité? Est-ce que Dieu sait que tu es intègre? Ou bien tu vis des choses en cachette que les hommes ne savent pas? Il y a des personnes, quand il est dans une ville, c'est une autre personne. Il suffit qu'il sorte de Kinshasa, c'est une autre personne. Deuxième chose que nous devons tirer comme exemple de la vie de Job, c'est la droiture. Qu'est-ce que la droiture? La droiture, c'est lorsque tes pensées, tes paroles et tes actions se conforment à la justice, c'est-à-dire à la loi. C'est ainsi que tu es un homme droit. Lorsque tes pensées, tes paroles et tes actions se conforment à la loi, se conforment à la justice, c'est que tu es un homme droit. L'intégrité, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est être un partout. C'est-à-dire être identifié de la même manière partout où tu es. Être la même personne en privé et en public. Mais la droiture maintenant, c'est que tes pensées, tes paroles et tes actions se conforment à la loi, à la justice. Tu fais ce qui est conforme à la justice. Tu fais ce qui est conforme à la loi. Et c'est que tu es un homme droit.
Job 29, verset 14. Et Job était un homme droit. Voyons la droiture de Job. Il dit ceci. Il me revêtait de la justice et je lui servais des vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Job est en train de réclamer sa droiture. Qu'est-ce qui fait la droiture de Job? Nous allons le voir dans les lignes qui suivent. Lisons d'abord Proverbe 14, verset 2. Proverbe 14, verset 2. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses les méprise. Vous comprenez? Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses les méprise. Donc, ne pas marcher dans la droiture, c'est mépriser l'Éternel. Marcher dans la droiture veut dire quoi? Que tes pensées, tes paroles et tes actions soient conformes à la justice, à la parole de Dieu. Tu dois être conforme, tu dois te conformer. Que tout ce qui est agréable, tout ce qui est bon, tout ce qui est digne d'approbation, tout doit être l'objet de tes pensées. Vous comprenez? Lorsque tes pensées se conforment à la parole de Dieu, tes paroles se conforment à la parole de Dieu, tes actions se conforment à la parole de Dieu, tu es juste. Et c'est comme ça même, tu es un homme droit. C'est comme ça même dans la société, un homme droit, c'est quel homme? C'est l'homme qui observe la loi. C'est un homme qui marche selon le droit. C'est un homme droit. Une personne qui marche dans la droiture est toujours trouvée innocente devant n'importe quelle accusation. C'est ça l'importance de la droiture. Peu importe l'accusation qui peut tomber sur toi, tu seras toujours trouvé innocent à cause de la droiture. Pourquoi? Parce que la droiture, c'est l'effet de conformer ses pensées, ses paroles et ses actions à la loi, à la justice. C'est comme ça, Job était un homme droit. Et lorsque le diable est allé l'accuser devant Dieu, Dieu, c'est parce que le diable n'a rien trouvé d'accusé. S'il avait trouvé Job désobéissant à la loi de Dieu, le diable allait dire ceci à Dieu. Tu vois ton serviteur Job, tu l'es béni, mais voilà ce qu'il fait. Mais comme Job n'avait trouvé rien à accuser, c'est comme ça, il a dit à Dieu d'autres arguments. Parce que Job était un homme droit, il marchait dans la loi, il observait la parole de Dieu. Écoutez ce que le psaume 25, 21 dit, l'avantage de la droiture, comme je l'ai dit, l'innocence. Psaume 25, verset 21, il dit, « Que l'innocence et la droiture me protègent. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. » Regardez, quelqu'un qui marche dans la droiture, c'est quelqu'un qui marche selon la loi, c'est quelqu'un qui marche selon la justice. Et si tu marches dans la droiture, même si tu vois des policiers débarquer chez toi, même si tu vois une convocation pour répondre à une convocation à la justice, tu n'auras pas peur parce que tu sais que tu marches selon la loi. Et peu importe les accusations qui peuvent être faites contre toi, tu seras innocenté à cause de ta droiture. Sauf que dans d'autres pays, quand tu peux être innocent, mais à cause de certaines discriminations, on t'arrête innocemment. Mais Dieu observe et respecte la droiture. Job parle de sa droiture. Bien aimé, c'est comme ça que je t'ai dit, si tu veux être protégé, même sur le plan spirituel, marche dans la droiture. C'est ce que le psalmiste a dit. Dans psaume 25, 21, que l'innocence et la droiture me protègent. L'innocence et la droiture me protègent. C'est la droiture qui te gardera innocent. Et le diable ne trouvera pas une accusation contre toi. Job parle de sa droiture. Nous lisons Job à partir du verset 29, Job chapitre 29. Job 29 à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Job 29, 11 à 14. L'oreille qui m'entendait me disait, heureux l'œil qui me voyait. Donc, l'oreille qui m'entendait me disait heureux, parce que sa bouche parlait de la droiture. L'œil qui me voyait me rendait témoignage, parce qu'il marchait selon la droiture. Car j'ai sauvé les pauvres qui implorent du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi, j'ai remplissais l'âge de joie le cœur de la veuve. C'est ça la droiture. La droiture, c'est rendre le droit. C'est-à-dire, un malheureux, c'est pourquoi c'est Job qui a dit, un ami a droit à la compassion de ses amis, même s'il s'est détourné de la voie du Seigneur. C'est-à-dire que le pauvre a droit d'être aidé. Et toi, si tu as la richesse, tu as les devoirs de l'aider. Et c'est ça marcher dans la droiture. La droiture ne veut pas simplement dire que tu ne pèches pas, tu ne commets pas de péché. Non, la droiture englobe beaucoup de choses parce que la loi dit ceci.
la loi du royaume. Dit que tu dois aider le pauvre, tu dois soutenir la veuve, tu dois défendre l'opprimé, tu dois soutenir l'orphelin. Et si tu ne le fais pas, même si tu ne commets pas un quelconque autre péché, tu n'es pas un homme droit. Parce que le pauvre a droit à ton aide. Et tu as le devoir de l'aider. C'est comme ça. Quand il plaide sa droiture, Job est en train de parler comment est-ce qu'il aidait le pauvre, l'orphelin. Mais écoutez, une chose que je veux, peut-être c'est une parenthèse que je veux mettre ici, au verset 13 du chapitre 29 de Job, il dit ceci. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Ok. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Comment est-ce que c'est la bénédiction du malheureux, ça vient chez toi, Job? Ça veut dire simplement ceci, bien-aimé. Tout l'argent que tu reçois entre tes mains, toutes les richesses que tu reçois entre tes mains, c'est, tout ne t'appartient pas. Il y a aussi la bénédiction des autres qui est entre tes mains. Je vous pouvais reconnaître que dans ce que je possède, il y a la part du malheureux. Dieu me les donne par sa grâce, mais je ne suis qu'un moyen de transfert. Et je dois donner à qui de droit. Sache qu'il y a certaines choses que Dieu t'accorde, ce n'est pas pour toi. Et si tu gardes l'argent, tu gardes le bien pour toi seul et tu ne soutiens pas les malheureux, sache que tu es un escroc, tu n'es pas un homme droit. Tout celui qui a des richesses, qui a des biens et qui ne distribue pas aux autres de manière équitable, c'est un homme qui vole Dieu, c'est un homme qui n'est pas droit. Je veux vous donner un exemple parce qu'on peut être intègre sans pour autant être droit. On peut être intègre sans pour autant être droit. Je vous donne un exemple de la Bible de quelqu'un qui était intègre mais qui n'était pas droit. Zachée. L'histoire de Zachée a été vraiment, dans la plupart des cas, mal interprétée. Zachée n'était pas un homme mauvais. Zachée n'était pas un voleur. Zachée n'était pas un escroc. Et il entend que Jésus passait dans sa vie. Comme il était court, il va, il monte sur l'arbre. Et Jésus le voyant, la Bible déclare, Jésus dit à Zachée, aujourd'hui je viendrai manger chez toi. Luc 19, verset 6 à 9. Luc 19, 6 à 9. Zachée déclare ceci. Zachée s'est hâta de descendre et les reçut avec joie. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. On considérait Zachée comme un pécheur. Simplement parce qu'il avait des richesses. Verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. » Ok. Écoutez ce que Zachée dit. « Je veux donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'avais fait tort à quelqu'un, je lui rends au quadruple. » Et Jésus dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Parce que ces jours-là, Zachée avait agi selon la droiture. Le seul problème que Zachée avait dans sa vie, Zachée n'avait jamais escroqué l'argent de quelqu'un. C'est pourquoi il met le peuple au défi. Il dit ceci, « Si j'avais pris quelque chose de quelqu'un, pour dire que je n'ai jamais escroqué quelqu'un, mais si quelqu'un, j'ai pris quelque chose qui lui appartient, qu'il vienne, je vais lui rendre 4. Ça, c'est un défi qu'il lance parce qu'il savait qu'il ne prenait pas le bien d'autrui. Zachée était un travailleur honnête. Zachée était un fonctionnaire honnête et intègre. Mais seulement, il avait un problème. Il ne partageait pas ses biens aux pauvres. Zachée n'était pas un homme droit, mais il était un homme intègre. C'est pourquoi il s'est permis de dire, si j'ai quelque chose de quelqu'un qui vient, je vais lui rendre pas à 4. Et personne n'est venu parce que Zachée n'avait plus rien de, qui appartenait aux autres. Mais seulement le problème des Zachée, c'est que Zachée, c'est là qui m'ont dit, Zachée ne partageait pas. Et ces jours-là, il a compris la parole de Dieu, il a compris la droiture et il a dit, parce que c'est venu, cette déclaration est venue après son échange avec le Seigneur. Et il a compris qu'il devait aider le pauvre. Et il a pris la moitié. Parce que ce qu'il possédait, ces jours-là, Zachée a eu la révélation que la moitié de ses biens n'était pas à lui. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu possèdes des maisons, tu possèdes beaucoup d'argent en banque, mais sache que la moitié de cet argent n'est pas à toi. Sache qu'une bonne partie de cet argent n'est pas à toi. Alors tu dois apprendre à donner aux autres. Et plus tu donnes, plus tu seras le moyen de transfert des bénédictions pour les autres. C'est pourquoi Job a dit, les biens, la richesse du malheureux venaient chez moi.
parce que c'est par moi que ça passe. Alors, si toi aussi tu es là, tu ne partages pas ça, sache que tu n'agis pas selon la justice. Selon la justice, tu dois donner. Et selon la droiture. Selon la droiture, tu dois rendre à chacun ce qui lui est dû. Tu dois honorer les hommes qu'il faut honorer. Tout ce que la Bible recommande, tu dois le faire. Est-ce que vous me saisissez? Ésaïe 26, verset 7 dit ceci. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plani les sentiers du juste. Le chemin du juste est la droiture. Bien-aimé, la droiture, c'est le chemin du juste. Tu peux être intègre sans être juste. Tu dois être juste. Juste, être servable. Juste, être là pour être... la droiture, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Est-ce que vous me comprenez? Et Job avait ces deux qualités. La troisième qualité que Job avait, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est l'obéissance à la voix de Dieu sans tenir compte de ce que cela peut écouter. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance à la voix de Dieu ou aux voix de Dieu sans tenir compte de ce que cela peut écouter. C'est ça la crainte de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu sans tenir compte de ce que cela peut lui coûter. Cela peut te coûter de rester membre de lui. Cela peut te coûter de marcher de longues distances à pied. Cela peut te coûter de quitter ta patrie et d'aller. Abraham avait fait. Cela peut te coûter de perdre l'estime des hommes. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Parce qu'il a voulu faire les choses selon la droiture et selon que Dieu le voulait. Cela peut te coûter la haine des hommes, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu, obéir à Dieu sans tenir compte de ce que cela peut te coûter. Et c'est comme ça que Job a accepté ce qui lui est arrivé, simplement parce qu'il avait la crainte de Dieu. Il n'a pas maudit Dieu. Il n'a même pas dit quelque chose, il a dit si Dieu a permis cela que la gloire lui revienne. Proverbe 1 verset 7, la Bible déclare ceci: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et Job lui-même déclare ceci. Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et si vous craignez le Seigneur, vous aurez la science de la vie. En fait, la science de la vie repose dans la crainte du Seigneur. Pourquoi? Parce que la crainte du Seigneur, c'est obéir aux voix de Dieu, ou suivre ce que Dieu dit, obéir et faire la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu te fera vivre au-dessus des circonstances et des temps. Et c'est là qu'on dit que la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Pourquoi? Parce que elle contient la crainte de Dieu contient la science de la vie. Alléluia. La crainte de Dieu contient la science de la vie. Celui qui craint Dieu comprend la vie et il devient sage. Psaume 25, verset 12, la Bible déclare ceci. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Celui qui craint l'Éternel, il ne t'attend pas dans la vie parce que Dieu lui révèle ce qu'il doit faire. La crainte de l'Éternel te révélera le chemin que tu dois suivre. La crainte de l'Éternel fera en sorte que lorsque tu places ton pied sur une mauvaise direction, tu entendras la voix de Dieu qui te dira, ne prends pas cette voie, mais prends l'autre voie. Celui qui marche dans la crainte de Dieu ne commettra pas d'erreur de choix dans la vie. Celui qui marche dans la crainte de Dieu ne commettra pas d'erreur dans la vie qui peuvent lui coûter cher dans sa destinée. Dieu t'épargnera des erreurs. La crainte de Dieu rend agréable à Dieu et c'est ça même l'expression de la foi. Actes des apôtres, la Bible le dit, acte 10, verset 35. Acte 10, 35, la Bible déclare ceci. Mais quand toute nation... Celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Celui qui craint Dieu est agréable à Dieu. Or, le Hébreu dit, et dit quoi?
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et ici, on dit que celui qui craint Dieu est agréable à Dieu. Donc, la crainte de Dieu, c'est l'expression de la foi. La crainte de Dieu, c'est l'expression de la foi. Tu peux être intègre. Tu peux être droit sans avoir la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu va au-delà de la loi qui est écrite. La crainte de Dieu va au-delà de principes qui sont déjà établis par Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est que Dieu peut te donner des directives particulières. Dans la crainte de Dieu, il y a des voies particulières que tu ne peux pas trouver dans les Écritures. Dieu peut te demander de faire quelque chose que tu ne peux trouver dans aucune parole. Mais la droiture, elle repose uniquement sur ce qui est écrit. La droiture repose sur ce qui est écrit, sur la loi qui est établie. Mais la crainte de Dieu, c'est un pas de plus, parce que là, on prend en compte les directives particulières de Dieu. Et celui qui craint Dieu, il a la science de la vie. Parce que tout ce qui existe dans la vie, tout ce que nous vivons ou nous voyons, n'est pas écrit. Tu ne trouveras pas dans les Écritures les détails sur certaines choses de la vie. Et ça, tu ne pourras l'entendre que directement de la voix de Dieu, de la voix prophétique de Dieu au travers de rêves, au travers de songes, au travers de visions, au travers de prophéties. Et quand tu reçois une directive, parfois au travers de convictions. Et quand tu crains le Seigneur, sache que tu as la science de la vie et tu ne peux pas commettre des erreurs. Et le Seigneur peut t'apparaître et te dire, à partir d'aujourd'hui, ne mange plus le foumbre. Alors que la Bible n'interdit pas le foumbre. Mais parce que Dieu t'a dit, il sait pourquoi il t'interdit le foumbre. Ça n'a rien à voir avec les Écritures, mais ça a à voir avec toi et le Seigneur. Le Seigneur peut te dire, à partir d'aujourd'hui, ne mets plus de chemise bleue. Ça n'a rien à voir avec la parole. Mais quand tu obéis, tu es un homme qui craint le Seigneur. Alors, c'est ça même l'expression de la foi. C'est pourquoi tu deviens agréable à Dieu. Et la vie de Job était caractérisée par la crainte de Dieu. Quatrième chose qui caractérisait la vie de Job, c'est détourner du mal. Non seulement il craignait Dieu, il s'est détourné aussi du mal. C'est quoi se détourner du mal? C'est le fait de veiller de manière constante sur ses pensées, ses paroles et ses actions en ne laissant rien de mal avoir une influence sur toi, sur tes pensées, tes paroles et tes actions. Tu ne dois laisser rien d'autre prendre, t'influencer, rien de mal influencer tes pensées, tes paroles, et c'est ça, c'est détourner du mal. C'est-à-dire veiller à ce que tu entends, veiller à ce que tu vois. Parce que tu peux être là, tu obéis la voix de Dieu. Tu peux être là, tu marches dans la droiture, tu es intègre, mais tu te laisses aussi entraîner par d'autres choses mauvaises. C'est pourquoi on ajoute dans la vie de Job l'aspect de se détourner du mal. C'est-à-dire, c'est une conscience. C'est veiller constamment à ne pas s'exposer aux choses qui peuvent t'influencer négativement. Et c'est comme ça, quelqu'un qui ne se détourne pas du mal peut être quelqu'un qui est intègre, il peut être quelqu'un qui est droit, il peut être quelqu'un qui craint le Seigneur, mais il ne se détourne pas du mal. Quand même, il fait certaines choses. À cause du manque d'attention, il n'est pas rigoureux envers lui-même. Et Job était cette personne-là. Et si nous avons ces caractéristiques, nous saurons tenir devant la tentation qui vient dans le monde. Parce que ça nous place dans un lieu où l'ennemi ne peut plus nous séduire. C'est détourner du mal. C'est détourner du mal. Proverbe 3, verset 7. La Bible déclare ceci. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Parce que tu n'es pas sage plus que Dieu. Tu n'es pas plus sage que les anciens. Quand on te dit... Arrête de suivre ces films-là, c'est pas bien. Arrête de fréquenter cette personne-là. Arrête ceci. On est en train de t'aider pour te détourner du mal. Et si toi, tu es sage à tes propres yeux, non, moi, je suis, oh, moi, ça, non, moi, je ne suis pas si facilement influençable, non, mais moi, je peux rester avec lui, il ne me fera rien. Moi, je peux marcher avec des gens qui fument, mais moi, je ne fumerai rien. Je peux marcher avec des gens qui font ça. Hein, tu crois? Ne sois pas sage à tes propres yeux, il faut fuir. Il faudrait se détourner du mal. Vous comprenez un peu ça? Détourne-toi du mal. Écoutez ce que la Bible déclare dans Job 33. Lisons Job 33, 14 à 17. Job 33,
14 à 17. La Bible déclare ce qui suit. 14 à 17, je veux lire pour vous. Il dit ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Pourquoi il fait ça? Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de détourner l'homme du mal. C'est-à-dire, il faut être capable de te détourner du mal. De te détourner du mal. Qu'est-ce que cela voudrait exactement dire? Cela veut dire ceci. Nous lisons quelques textes d'abord. Psaume 37, 27. Psaume 37, 27, la Bible dit ceci. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais. Parce que tu peux être en train de faire le bien, en même temps tu fais aussi le mal. Parce que faire le bien ne te garantit pas de ne pas faire le mal. Pour ne pas faire le mal, il faudrait se détourner intentionnellement du mal. Psaume 119, verset 37. Psaume 119, verset 37. La Bible déclare ceci. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Écoutez, c'est le psalmiste qui dit. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. C'est-à-dire, c'est intentionnel. Tu dois détourner tes yeux de mauvaises choses. Tu dois détourner tes oreilles de mauvaises choses. Tu dois détourner tes yeux de la pornographie. Tu dois détourner tes oreilles de tout ce qui est obscène, des paroles mauvaises. C'est pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. » Tu dois choisir les gens avec qui tu dois rester. Ça, c'est se détourner du mal. Quelqu'un qui a pris la décision de se détourner du mal, il n'a pas n'importe qui comme ami. Celui qui a pris la décision de se détourner du mal ne regarde pas n'importe quel programme à la télé. Celui qui a pris la décision de se détourner du mal, il choisit. Qui écouter, quoi écouter, avec qui rester, il choisit. C'est ça détourner. Et Job savait se détourner du mal. Il savait veiller sur ses yeux. Comprenez un peu? Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Proverbe 1,15. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Ne sois pas sage à tes yeux. Ne crois pas que tu es... Non, moi-même, si je fréquente des gens, comment... Non, quand tu vois quelqu'un qui a des paroles insolentes, quelqu'un qui a des paroles détournées, des paroles obscènes, quelqu'un qui n'est pas bien, qui a de mauvaises actions, ne les fréquente pas. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des frères, des sœurs à l'église, mais qui est entouré des amis qui vivent dans l'impudicité sans pardon, une impudicité sans reproche. Mais tu les gardes comme ami, il finira par t'influencer. Ne sois pas son conseiller lorsqu'il a ses aventures là, et puis il est déçu là-bas et vient vers toi, et puis toi tu es là pour faire les sages. Hein? Un jour tu tomberas. Parce que l'effet d'entendre ces histoires là, tu finiras par tomber dans ça. Tu es un ami de quelqu'un qui vole l'argent et vous mangez cet argent ensemble. Quelqu'un qui ne fait que détourner l'argent. Il vole. Tu sais que ton ami ici, l'argent qu'il a, c'est un détourneur de fonds. C'est quelqu'un qui détourne l'argent de l'État. C'est quelqu'un qui vole. Mais toi, tu te plais de bouffer cet argent et d'être avec lui. Non. Tu dois te détourner du mal. C'est en possédant ces quatre vertus, l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et se détourner du mal, que nous pouvons espérer tenir ferme durant l'épreuve du temps de la fin. Et Dieu doit être le premier à témoigner en notre faveur, sinon ce qu'on peut faire n'a aucune valeur. Si ce n'est pas Dieu qui témoigne de ces choses-là pour toi, sache que même si les hommes les disent pour toi, ça n'a aucune valeur. Tu dois avoir les témoignages du Saint-Esprit que tu es un homme intègre, que tu es un homme droit, que tu es un homme qui craint Dieu et tu es un homme qui se détourne du mal. Parce que lorsque Job est arrivé devant Dieu, là je suis dans Job 1, 8. Écoutez, c'est Dieu qui parle pour Job. Il dit ceci, Job chapitre 1, verset 8.
Écoutez ce que Dieu dit à propos de Job. Si c'est le diable qui se présente. Et j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Parenthèse, pourquoi on parle de fils de Dieu? Et quand la Bible ici utilise fils de Dieu, c'est l'expression fils de Dieu dans la Bible veut dire créature directe de Dieu. Pas une créature qui est passée par l'intermédiaire d'une autre reproduction, mais une créature qui est directement créée par Dieu est appelée fils de Dieu. Les anges sont appelés fils de Dieu parce qu'ils sont créés directement par Dieu. Satan est appelé fils de Dieu parce qu'il est créé directement par Dieu. Adam est fils de Dieu parce qu'il est créé directement par Dieu. Mais tous ceux qui sont venus après, ils ne sont pas fils de Dieu. Ce sont les hommes. Et fils de Dieu seulement, c'est lui qui est créé directement par Dieu. Et nous redevenons fils de Dieu lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que là, nous sommes une nouvelle création. Nous sommes créés directement par Dieu. C'est comme ça, c'est celui qui est né de nouveau qui est fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire simplement créature directe de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est une créature directe de Dieu. C'est pourquoi il est fils de Dieu. Alléluia. Yes. Et les anges étaient là. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de me promener. Nous t'amboulons pas. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et Dieu rend témoignage. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Dieu rend ce même témoignage au chapitre 2. Le diable est allé encore se promener et puis il dit, l'Éternel dit à Satan, chapitre 2, verset 2, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel, Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre et c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Maintenant, toi, ce soir, tu dois te poser la question, quel est le témoignage que Dieu a de toi? Si Dieu doit parler de toi devant Satan, qu'est-ce qu'il va dire? As-tu remarqué mon serviteur Turam? Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es droit? Est-ce que tu crains le Seigneur? Et si tu ne possèdes pas ces choses, lors de la tentation, tu vas souffrir. Et vous allez remarquer, Dieu a donné la permission au diable, parce que le diable a présumé que Job craignait le Seigneur et faisait toutes ces choses à cause de quoi? À cause de quoi? À cause des richesses. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas capable de lire les pensées des hommes. Parce que si le diable pouvait lire les pensées du cœur de Job, il allait comprendre que Job ne craint pas le Seigneur parce qu'il a les richesses. C'est pourquoi il a tenté. Alléluia. Et Dieu a dit, va toucher. Et comme Job était vraiment intègre, peu importe ce que le diable a fait, Job est resté intègre devant le Seigneur. Job est resté dans la droiture, Job est resté. Et tous ceux qui marchent de la droiture de cette façon-là, de quelle droiture? De la droiture qui est dans le cœur, pas de ce qu'on montre d'abord aux gens. C'est pourquoi dans le chapitre 1 de Job, au verset 5, la Bible, si vous lisez attentivement, vous verrez que Job, quand il offre les sacrifices pour ses péchés, les péchés de ses enfants, il ne dit pas que pour les péchés qu'ils auraient commis physiquement. Il parle des péchés qu'ils auraient commis dans leur cœur. Lisons. Parce qu'un homme qui est véritablement intègre ne regarde pas d'abord à ce qui est extérieur. Il veille d'abord de l'intégrité qui est intérieure. Parce que lorsque l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et le détournement, se détourner du mal est dans le cœur, l'extérieur produira le même fruit. Regardez au chapitre 1, verset 5, il dit ceci. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Ou dans leur cœur. Ils n'ont même pas fait ça. C'est-à-dire, un homme intègre veille sur ce qui se passe dans son cœur. Il ne parle pas du péché simplement sur ce qui est extérieur, mais il pense déjà au péché. C'est-à-dire que quand ça commence déjà dans le cœur, il faudrait déjà prendre l'action de confesser. Il faudrait déjà chercher à réparer. Ça, c'était le niveau d'intégrité de Job. Et celui qui a une telle intégrité fera toujours l'objet de l'attaque du malin. C'est comme ça, quand tu vois le diable t'attaquer, beaucoup sache qu'il a constaté l'intégrité. Parce que vous allez remarquer que les quatre amis de Job,
qui sont venus voir Job, aucun d'entre eux n'a été attaqué par le diable et le diable ne les a pas attaqués. Et quand vous suivez leurs paroles, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais le diable ne les a pas accusés devant, n'a pas apporté leur cas devant Dieu. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas parlé d'eux? Quand le diable est apparu, Dieu n'a pas dit, tu as remarqué Elihu, tu as remarqué Théman, tu as remarqué. Il n'a pas cité les autres serviteurs, parce que les autres, là, marchaient, ils étaient serviteurs de Dieu, mais il y avait encore des choses. Mais Job était le seul. Et Dieu a rendu témoignage. Que Dieu nous aide à être ceux-là dont Dieu trouvera la fierté de parler devant les anges et devant les hommes. Psaume 34, verset 20. La Bible dit ceci. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Parce que le diable cherche à prouver à Dieu le contraire, que cet homme ici, c'est pourquoi parfois Dieu laisse. Mais sachez-le, le diable n'ira pas plus loin que là où Dieu a déterminé la limite. 2 Timothée 3:12, la Bible déclare ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si tu veux être droit comme Job, tu seras persécuté. Mais nous allons finir ici en vous faisant remarquer une chose. Quelle est cette chose-là que je veux vous faire remarquer? Les amis de Job ont attaqué Job croyant que Job a péché contre Dieu. Parce qu'eux-mêmes étaient des pécheurs. Et sachez-le, les enfants de Dieu, les hommes justes, ne sont pas beaucoup attaqués par des hommes normaux. Les hommes justes sont plus attaqués par les chrétiens qui ne sont pas justes comme eux. Et c'est comme ça, lorsque tu es intègre et que tu prospères avec le Seigneur, ça sera seulement les hommes de l'église qui commenceront à dire, attendons certainement, il ne peut pas être correct, certainement un jour il va tomber. Ils s'attendent à ce que les gens qui attendent que les justes tombent, ce ne sont pas les païens, c'est seulement les autres justes qui marchent tantôt. Et souvent, si tu es dans une église, tu marches vraiment dans la crainte de Dieu, tu fais des choses correctes et le Seigneur t'es béni, il voit et tu prospères. C'est sincèrement les frères qui vont commencer à dire, lui pense quoi, c'est lui le saint. Un jour, vous allez seulement entendre. Un jour, vous entendrez. Un jour, s'ils n'ont jamais entendu quelque chose de mauvais et que tout pour toi dans ta vie est correct, on voit la crainte de Dieu et que les gens témoignent de cela, ça sera seulement les gens de l'église qui commenceront à dire, ah, cette justice-là, c'est un temps, nous aussi, nous avons commencé comme ça. Donnez-lui le temps, donnez-lui le temps. Et quand tu tombes, il commence, ou bien quand un malheur t'arrive, ils vont tout de suite interpréter ces malheurs-là que parce que tu as peut-être péché et tout ça. C'est ce que les amis de Job ont fait. Mais c'était eux qui avaient mal. C'est pourquoi à la fin du livre de Job, Dieu dit ceci, pour que je leur pardonne, toi tu dois prier pour eux. Il a fallu que Job prie pour eux pour que Dieu les pardonne. Parce que toutes les condamnations qu'ils ont données à Job depuis le début jusqu'à la fin, c'était des fausses accusations. Mais Job est resté intègre. Mais écoutez, une chose que je veux vous faire remarquer avant de clôturer. Dieu dit à Satan, détruis tout de la vie de Job. Mais c'est seulement sa vie ne touche pas. Job prend, Satan prend toutes les richesses de Job. Il tue même les enfants de Job, mais il laisse la femme de Job. Pourquoi il laisse la femme? Parce que il savait qu'il pouvait utiliser la femme. Il connaissait les dispositions de la femme de Job. Et il a laissé la femme pour être son agent auprès de Job. C'est comme ça, c'est la femme de Job qui a parlé à Job, maudit Dieu. C'était Satan qui l'utilisait. Et Job est resté intègre. Et souvent, les hommes droits, les diables les combattent par leurs femmes. Alors, si tu épouses un homme droit, comme moi, alléluia, Jesus. Si tu épouses un homme intègre comme moi, sache-le que tu seras la cible de Satan pour me faire tomber. Et ma soeur qui me suit, mon frère, ma soeur qui me suit, si ton mari est un homme droit, tu dois veiller sur ta vie parce que le diable viendra passer par toi. Et c'est comme ça le diable a laissé la femme de Job vivante. Et elle a tenté Job de toutes les manières. Heureusement, Job a tenu. Oh, que Dieu nous garde à ne pas écouter la voix de nos femmes lorsque le diable parle par elles. Et vous remarquerez dans la Bible que le diable, facilement pour faire tomber un homme, il passe par le diable. Ève avait déjà donné l'exemple. La femme de Job vient nous ajouter un autre exemple. Je prie pour toi, ma soeur qui me suit, que le diable ne passe pas par toi pour déstabiliser ton mari. Que le diable ne passe pas par toi pour déstabiliser
ton foyer dans le nom de Jésus. Sois une femme vertueuse. Alléluia. Sois une femme vertueuse. Maintenant, quelques avantages de posséder ces valeurs. Je crois que nous allons prendre le temps d'étudier les livres de Job. Ça sera très intéressant. Quelques avantages de posséder ces quatre valeurs. L'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et se détourner du mal. Le chapitre 5 le dit au verset 19. Chapitre 5, verset 19. Chapitre 5. C'est comme ça, frère, il ne faut pas toujours écouter ta femme. Non, non, non. Il faut écouter Dieu plus que ta femme. Parce que la femme écoute facilement le diable de par sa nature. Alors, chapitre 5 de Job, verset 19, je lis. Six fois, il te délivrera de l'angoisse et sept fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu vois que ce que Job est en train de dire, c'est pratiquement le même fléau qui doit venir pendant le temps de la fin. Et si tu as ces quatre valeurs, voilà ce qui va t'arriver pendant la grande tentation. Je reprends cela à partir du verset 18 du chapitre 19, du chapitre 5. Verset 19. Six fois, il te délivrera de l'angoisse, et sept fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine, et des goûts du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec le pierre de champ. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, ces choses ici garantiront que tu tiennes lorsque les fléaux viendront, lorsque les bêtes sauvages dont a parlé Apocalypse, lorsque la guerre viendra, lorsque la dévastation viendra, lorsque la peur, toi, tu tiendras et tu riras si tu as ces quatre valeurs. Nous allons au chapitre 22, le verset 2 à 3. Ça, ce sont les avantages de l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et de se détourner du mal. Je commence au verset 2, chapitre 22 de Job. Un homme peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui y gagne-t-il? Job veut dire ceci. La crainte de Dieu ne fait que le gagnant ou celui qui a le plus d'avantages. Dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité, dans la droiture, c'est toi-même. Le bénéficiaire, le premier bénéficiaire de la grâce et de la crainte de Dieu et de l'intégrité, c'est toi-même. Donc, si tu marches dans la droiture, dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu et tu te détournes du mal, tu n'es pas en train de faire une faveur à Dieu, mais tu es en train de te faire du bien. Tu es en train de te faire une faveur. Ça ne te profite qu'à toi. Parce que Dieu ne change pas. Que tu pèches, que tu vives dans les péchés, que tu vives comment? Ça ne profite pas à Dieu, ça ne profite qu'à toi, parce que rien ne change Dieu. Le verset 21 du même chapitre 22 dit ceci. Je lis 21 jusque là où on va s'arrêter à 30. Il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu comprends un peu? C'est l'avantage, la paix. Tu y jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux de torrent, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra les succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Tu vois, quand tu marches dans la pureté de tes mains, à tes résolutions répondra les succès. Tu vivras, ça ne profite qu'à toi. Et nous lisons le chapitre 23, le dernier verset que nous allons lire ce soir. Job 23, le verset 3 à 4. Oh, si je savais où le trouver! Si je pouvais, commençons verset 1, chapitre 23. Job prit la parole et dit,
Maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments. C'est l'avantage que nous avons par rapport à Job aujourd'hui. Job se disait, si seulement je pouvais monter devant le trône de Dieu pour plaider ma cause. Mais nous, aujourd'hui, nous avons quelqu'un à la droite de Dieu pour plaider notre cause. C'est pourquoi, quand nous marchons dans l'intégrité, notre situation ne va pas durer plus que celle de Job. Pourquoi? Parce que nous avons un avocat. Et Job dit, si moi je pouvais monter devant son trône. Mais nous, nous avons quelqu'un qui est monté et qui plaide pour nous. C'est l'avantage que nous avons. Mais nous devons avoir ces quatre qualités. Dieu, si nous avons ces quatre qualités, Dieu nous fera justice, il ne tardera pas. Si nous avons ces quatre qualités, nous réussirons et nous vivrons le bonheur. Même quand les malheurs viendront nous attaquer à gauche ou à droite, le Seigneur nous accordera d'en sortir victorieux. Frère, cherche ces choses. Cet enseignement, Noé, Daniel et Job, était une parenthèse pour appuyer, pour compléter notre enseignement, notre étude du livre d'Apocalypse. Parce que ces trois hommes ont été cités par référence chez Ézéchiel pour dire que ceux qui se tiendront comme Daniel, Noé et Job résisteront, n'y tomberont pas, point, lorsque la grande tentation viendra, lorsque la famine viendra, lorsque la dévastation viendra. Ce n'est que ceux qui se tiennent comme ces trois hommes qui triompheront. Alors, fais l'effort dans ta vie. Check in yourself. Vérifie en toi-même. Vérifie qu'est-ce qui n'est pas droit et aligne-le. Que tu aies les témoignages de Dieu. C'est-à-dire que les gens peuvent venir dans ta vie. Ils tirent à balles réelles dans ta maison. Mais aucune balle ne t'atteindra. Simplement parce que tu te tiens comme Daniel, comme Job, comme Noé. Même si dans ta ville, on est en train de massacrer les gens. Toi, tu ne seras pas massacré. Lorsque la maladie frappera, toi, tu ne seras pas atteint. Lorsqu'on assassinera les gens, toi, tu ne seras pas assassiné. Lorsque les coulous n'appelleront de coulous aux autres, toi, tu ne seras pas coulou. C'est une grâce que je connais du Seigneur depuis que je suis ici. J'entends toujours parler de coulous. On a coulouné quelqu'un, on a coulouné. Je n'ai jamais été coulouné, bien que j'habitais à Matete, bien que parfois je rentrais très tard, bien que parfois nous fréquentons des endroits compliqués. Mais la grâce de Dieu nous garde. C'est la grâce de Dieu qui nous garde. Lorsque tu marches dans l'intégrité, dans la droiture, dans la crainte de Dieu et tu te détournes du mal, tu seras protégé, tu seras gardé. Et même quand le fléau viendra, tu te tiendras debout et tu t'en sortiras. Que mon Dieu t'accorde ce soir, je prie pour toi. Que cette parole trouve le fondement en toi. Que cette parole te fortifie, que cette parole t'ouvre les yeux afin que tu vois ce qui n'est pas en toi, ce qui n'était pas droit en toi. Pour le redresser, que tu vois ce qui n'était pas correct en toi pour l'arranger, afin que tu vives tout ce que Dieu a prévu pour toi et que tu accomplisses ta destinée. Que cette grâce te soit accordée dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi, merci pour votre fidélité. Ne manquez pas de partager à vos amis, à vos frères, partout où ils sont. Et nous allons continuer notre programme demain. Je crois que nous allons prendre la suite avec l'ouverture du sixième. Nous allons continuer après l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce qui va rester se passer sur la terre? Quand l'Église est enlevée, je vais vous expliquer ce que l'Antichrist va faire avec le faux prophète et jusqu'à ce que le fléau vienne et les recrute le Christ avec le saint. Pour le moment, restez dans la paix du Seigneur et nous croyons que Dieu nous fera grâce de nous retrouver demain à 21h juste pour continuer ce programme sur le livre d'Apocalypse. Soyez bénis, je vous dis merci pour votre fidélité à ces programmes. Ne manquez pas de partager. Si vous avez raté une leçon, veillez à ce que vous alliez sur notre chaîne YouTube pour voir ce qu'il y a et veillez à ce que les choses, comment dire, que vous avez ratées, vous puissiez le rattraper. Téléchargez-le, parce qu'il y a des personnes qui ne se connectent pas sur Facebook, sur Internet. Téléchargez-le sur YouTube, parce que tout est sur YouTube. Téléchargez-le dans un flash disk. Allez donner à quelqu'un afin qu'il suive. Tu as un ami, tu télécharges les enseignements, tu vas le donner, il va suivre et il sera béni et tu seras une source. C'est ça aussi la droiture.
Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. À demain.